Je vais faire un tutoriel pour vous montrer comment visiter une exposition de peinture avec sa voiture. Alors, pour ça, vous avez besoin d'une voiture, des clés de la voiture et d'une exposition. Vous prenez la clé, vous la mettez dans la serrure, et ensuite vous la tournez et vous démarrez la voiture dans un premier temps. Et là, on va rentrer dans l'exposition. Et là, vous avez les peintures et nous rentrons dans l'exposition. Il suffit de passer la première. Ici, c'est une voiture automatique. Et nous rentrons dans l'exposition. C'est à 7, à la Rosa. Il y a une peinture à droite, une peinture à gauche. C'est une exposition que nous pouvons visiter avec la voiture. Donc, nous pouvons faire des tours. Et là, vous voyez la grande peinture qui est là. Là, l'autre peinture qui est là. Vous pouvez soit le regarder à travers le pare-brise, la fenêtre latérale ou les rétroviseurs si vous êtes conducteur. Et l'exposition en faisant des ronds ou alors en allant tout droit de cette façon. Et là, nous arrivons dans la deuxième partie où il y a l'autre toile. Et encore une autre ligne droite. Nous voyons la peinture de près. Là, on passe entre les poteaux. Et on peut aussi rentrer dans la peinture de cette façon. Mettre un petit peu l'éclairage, soit les pleins, ou alors il y a aussi les pleins phares comme ça, les phares normaux. Nous voyons la peinture et non la voiture de plus près parce que nous sommes déjà dans la voiture. Et une fois que nous sommes rentrés dans la peinture de cette façon, il suffit de faire la marche arrière, de tourner le volant, regarder dans le rétroviseur. Il y a la lumière varie avec l'éclairage. Et nous repassons en marche avant.